Bonjour. Bonjour à tous, moi c'est Ben et aujourd'hui je vais vous présenter la Laser Master 3 de chez Orture. T'as pas l'impression de me voler un peu mon boulot là? Mais non. Parce que c'est moi Ben, toi c'est Ced. Ah oui, bon allez, c'est parti. Voilà, c'est déballé. Au niveau de la notice de montage, ça semble clair. Et ma foi, assez rapide à monter. Bah du coup, tu vas t'en occuper. Bon bah, on va voir ça tout de suite. Bon bah ça y est, la machine est assemblée. Bon alors t'en as pensé quoi? J'ai trouvé quand même relativement simple. Il y a quelques petits points qui m'ont un petit peu embêté au départ. Notamment la première vis. Parce que du coup au niveau alignement c'était pas forcément simple tout seul. Parce qu'il y a le passage de câble donc c'était pas... Mais ça se fait quand même hein. Donc, ouais. Voilà, c'était un petit point d'accroche. Sinon j'avais des passages de cap, c'était pas bien détaillé comment les fixer sur la notice. Bah, à part ça, la notice est quand même claire, il suffit de suivre les étapes de montage. On doit souvent la retourner parce que la plupart des fixations, des vis de fixation se font par dessous. Pareil, tout ce qui est les tensions de courroie aussi, ça se fait par en dessous. Alors j'ai loupé à un moment le moment où ça devait, on devait tendre la courroie, mais bon après, le système est vraiment simple. Pour tendre la courroie et ça se fait vraiment vraiment très bien. Je pense qu'on va peut-être passer au test. Bah on va lancer la Lightburn et puis on va faire quelques tests avec cette machine.
pour ajouter la machine à Lightburn, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur Appareil, Créer manuellement, de choisir GRBL, de choisir Connexion USB, d'entrer le nom de la machine et sa taille. En l'occurrence, là, c'est 400 par 400 mm. L'origine du laser est de base à l'avant gauche, mais il est aussi possible de la mettre à l'arrière gauche. Pour ça, il faudra changer le paramètre 23 depuis la console et le passer sur 7. Pour l'autoguidage du laser au démarrage, c'est vous qui voyez. Personnellement, je préfère faire le homing manuellement. Ensuite, on clique sur Terminer et il n'y a plus qu'à choisir la machine et le port COM dans la liste. Ensuite, on va modifier deux petits paramètres. Le premier, ça va être de passer Lightburn en millimètres par minute. Et le deuxième, ça va être de changer la valeur SMAX, qui doit correspondre à la valeur du paramètre 30 de la machine, donc on va le passer sur 1000. Avant de commencer les projets, j'ai ressorti mes tests de gravure et de découpe. Je les ai adaptés pour la Laser Master 3. Pour la gravure, on va tester la puissance de 10% à 100% et de 1000 à 20 000 mm/min, qui est la vitesse max de la machine. Et pour la découpe, comme l'autre fois, on va tester de 200 à 1000 mm/min et de 1 à 5 passes. Donc bah c'est parti, il n'y a plus qu'à lancer. Nous voici après quelques premiers petits tests. Du coup, on a fait un premier test de gravure qui s'est plutôt bien déroulé. Mais je trouvais que ça manquait de puissance par rapport au dernier test dans la dernière vidéo. Le dégradé était vraiment joli, mais pour c'est vrai 10 watts, que... c'est un peu limite, c'était pas très profond. Voilà. Du coup, après, on a fait un test de coupe pour vérifier ça. Et en effet, c'était vraiment pas terrible. Du coup, mais c'était de notre faute. On s'est dit qu'il y avait un souci, ouais. Du coup, j'avais tout simplement oublié de régler le paramètre 30 de Lightburn. On voit la différence. Vu que c'est une nouvelle installation sur le PC de Cédric et que bah il n'était pas sur 1000 comme sur le mien, c'est de ma faute. Déjà au niveau gravure, on voit clairement la différence. Mais c'est clair, ça n'a rien à voir. On retrouve le laser 10 watts. Et c'est surtout au niveau de la coupe où comparé aux précédentes. Là, on était à 25% de puissance. C'est plutôt équivalent à ce qu'on retrouve sur la dernière vidéo. On n'a pas fait d'autres matériaux. Hein. Ça a l'air d'être à peu près pareil niveau puissance. On va faire quelques projets pour vérifier ça, et puis on se retrouve juste après. Pour le premier projet, on va commencer soft avec une petite déco en carton. Donc on va découper 6 calques de différentes couleurs. Et une fois assemblé, ça devrait faire une affiche avec un effet légèrement 3D sur le thème de Star Wars. Fin du premier projet, donc un petit projet de découpe de carton en multi-layer, ce qui donne ceci à la fin. Pas de souci pour la gravure sur celui-ci, c'est du carton, ça se découpe facilement avec un laser 10 watts, donc tout s'est bien passé. Très propre. Après ce premier test réussi, on a voulu passer à la gravure sur verre. Pour commencer, on va essayer de graver ce dessin de Death Note. On est parti d'un JPEG, donc la qualité n'est pas forcément géniale. Pour compenser, on va utiliser le mode journal pour graver l'image. C'est ce qui rend le mieux au niveau des ombrages. Ensuite, on a fait une petite gravure sur verre. C'est un premier test pour un futur projet qu'on va faire après. Du coup, c'est parfait aussi pour de la projection lumineuse. On vous mettra quelques petites photos. Ensuite, on a voulu tester la gravure sur liège. On ne savait pas trop quoi mettre comme réglage, donc on a cherché sur le net. Et finalement, on aurait pu aller beaucoup plus rapidement. Après, on est passé sur la gravure sur liège pour tester. Ça va assez vite à graver, c'est plutôt cool. Par contre, petit dégagement d'odeur. Ouais, ça sent très fort, hein. C'est une petite odeur de plastique là, c'est pas très agréable. Très pratique. Okay. À utiliser avec une ventilation. Ensuite, on teste encore un matériau que j'avais pas testé, l'ardoise. Pour les réglages, on y va un petit peu au feeling. On verra bien ce que ça donne.
Pour le projet suivant... On est resté dans le même thème. Carrément. Gravure sur ardoise. Ça a servi le soir même. Très pratique. Pratique pour la raquette. Pas de soucis, ça grave bien. On a un beau rendu. La couleur est sympa. C'est pas blanc, c'est suivant la lumière en fait, c'est plus ou moins coloré. Donc c'est carrément joli. Ça va être utilisé ça. Ensuite, on a décidé de partir sur un bien plus gros projet. On va essayer de fabriquer une lampe mélangeant gravure sur miroir et sur verre avec un éclairage RGB. Et il faut que le tout tienne dans un boîtier en bois sur mesure. Donc on a commencé par préparer le fichier pour les gravures sur le miroir et sur le verre. Comme Cédric est fan de Stargate Atlantis, on est parti sur une porte des étoiles avec un logo à l'intérieur. La porte des étoiles sera gravée sur une plaque de verre et le logo sur un miroir, sur lequel on viendra coller un film pour vitre de voiture miroir, ce qui devrait donner un effet miroir infini pour le logo Stargate Atlantis. Bon, ça c'est la théorie, maintenant on passe à la pratique. On commence du coup par graver la porte des étoiles qui ira sur la vitre. Pour pouvoir graver sur du verre, il faut d'abord le peindre en noir, donc c'est ce qu'on a fait. Donc bah c'est parti pour la gravure. Une fois la gravure terminée, on a enlevé la peinture dans le cercle intérieur. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais nous on trouve que ça rend vraiment bien. Maintenant on va graver le miroir. Pour graver un miroir, il faut forcément graver la face arrière. Donc du coup, il faut pas oublier de retourner l'image, sinon on va se retrouver avec un logo inversé. Le résultat est vraiment parfait, c'est magnifique. Ensuite, j'ai pris toutes mes mesures pour pouvoir créer un boîtier en incorporant les LED à l'intérieur. Tout passe normalement au millimètre. J'ai créé tout ça directement dans Lightburn en un peu plus d'une heure, donc j'espère que ça va le faire. Maintenant que tout est découpé, c'est le moment de l'assemblage. Cédric commence par mettre le film teinté sur le miroir. Le film est un petit peu vieux, il a quelques défauts, mais ça devrait pas trop se voir. C'est un film qui nous avait servi il y a quelques années pour un projet, et on n'a pas le temps d'en acheter un autre, donc on fera avec. Ensuite, Cédric s'attaque au LED RGB. Pour l'éclairage de la vitre avant, il y aura 28 LED. Et pour l'éclairage du miroir, vu que le logo est un peu plus petit, on en a mis seulement 20. Ça fait quand même 48 LED, c'est pas rien. Le tout sera contrôlé par un Arduino avec une puce Wi-Fi. Donc par la suite, il pourra faire un petit programme pour pouvoir l'utiliser avec son téléphone. Ensuite, je m'attaque à l'assemblage et c'est un petit peu compliqué. Tout passe nickel, tout s'emboîte bien, mais on n'avait pas pensé aux câbles. Du coup, il a fallu redessouder une bonne partie pour refaire des câbles pile poil à la bonne longueur afin de pouvoir insérer la vitre et le miroir. Bon, du coup, on est passé sur notre plus gros projet de la semaine qui nous a pris un peu plus de temps que prévu. Au moins toute la semaine quasiment. Mais voilà ce que ça donne. C'est beau, n'est-ce pas? C'est carrément sympa. Dedans, on a de la gravure sur verre, de la gravure sur miroir, de la pose de film sans teint, de la découpe de bois et un petit peu de gravure parce que c'est signé derrière. De l'électronique aussi. Et toute la partie électronique avec des LED. Ça, c'est lui qui gère, c'est pas moi. Comme d'hab sur nos projets. Et du coup, le résultat est carrément sympa. La gravure sur miroir, ça marche vachement bien. Le miroir, il est vraiment top. J'adore vraiment l'effet qu'on a un petit peu pailleté.
Et pareil, la gravure sur la partie vert, j'ai réussi à garder la partie noire qui rend vraiment, vraiment. Parce que pour graver sur vert, il faut le peindre en noir avant. Et du coup, là, on a réussi à nettoyer juste la partie intérieure et garder la peinture noire qui restait sur le reste. C'est vrai que ça bloque la lumière, ça fait vraiment sympa. Et du coup, dites-nous ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Au niveau du manuel, c'était quand même bien. Il suffit de suivre les étapes. Juste le petit point des passages de câbles, comme je l'ai dit avant. Niveau design, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Elle est carrément jolie comme machine. Par contre, il y a quelques petits points qui sont pas terribles, comme l'interrupteur du moteur Y qui dépasse et qui risque de s'accrocher dans les tuyaux et dans les câbles. On a un peu justement la même chose aussi avec le Wi-Fi. Ouais, d'ailleurs, Wi-Fi, un petit problème, moi j'ai pas réussi à me connecter au Wi-Fi. Bon, après, j'ai pas testé plus que ça, c'était juste pour voir. La prise du laser est plutôt bien pensée, mais elle a l'air un petit peu fragile. Donc, à voir s'il faudra pas imprimer quelque chose pour la maintenir un petit peu. J'ai un peu peur que ça casse avec le temps. Ouais, et après, il y a aussi le bouton ici, tous les voyants. Il y a beaucoup de variantes de voyants lumineux, donc c'est pas forcément très clair tout de suite. Vaut mieux avoir la notice à côté ou regarder dans Lightburn. Des fois, les messages sont plus explicites que ces voyants-là. Par contre, au niveau des accessoires, c'est quand même bien pensé dans le sens où justement le bouton dont on parlait tout à l'heure permet justement de connecter un outil rotatif pour pouvoir graver des verres par exemple. C'est simple, il suffit juste de basculer sur l'interrupteur et de le brancher. Le Z aussi, on a une possibilité d'avoir un Z motorisé, donc directement. Avec la prise qui est déjà intégrée derrière. Et le niveau de l'air assist aussi, directement prévu sur le laser. Il y a juste à brancher le câble et du coup d'avoir le compresseur derrière. Niveau sécurité, il y a des choses à pas mal aussi. On a un interrupteur à clé et un bouton d'arrêt d'urgence. Ça permet vraiment d'arrêter la machine en cas de problème et de la verrouiller quand on ne veut pas que d'autres personnes l'utilisent. On a aussi le détecteur d'inclinaison qui du coup permet d'arrêter la machine, de la mettre en sécurité si la machine est bougée ou inclinée. Ou si elle n'est pas stable, parce qu'on a vu qu'on avait rajouté des pieds pour la surélever et le plateau n'est pas forcément droit. Et lors de la gravure, en fait, ça faisait incliner un petit peu la machine, elle s'est bloquée à chaque fois. Du coup, ça nous amène au point aussi où les pieds sont vraiment trop petits. Oui. On a été obligé de surélever pour pouvoir mettre une grille dessous. C'est pas vraiment prévu pour mettre une grande grille de la taille de la machine, c'est dommage. Le moteur de l'axe X dépasse vachement en dessous. Donc ben, on est obligé de la surélever. Ils vendent les pieds en option, mais bon, c'est dommage de ne pas les avoir mis directement avec la machine. Et aussi l'utilisation avec Lightburn. Nous on a utilisé Lightburn pour tester cette machine et ça marche très bien. On sent pas de soucis. Sans oublier le petit paramètre. Ouais, faut pas oublier de changer le paramètre de puissance, sinon ben, ça correspond pas. Et on grave à 25%, c'est un peu dommage. Comme on a pu le voir. Dernier point aussi, c'est la gravure. Par contre, c'est passé, c'était nickel. On a pu graver donc sur vraiment beaucoup de supports, que ce soit du verre, du liège, de l'ardoise, de la découpe aussi de carton, découpe de bois, comme vous pouvez le voir là-bas. Moi, j'ai vraiment pu m'amuser et découvrir plus la gravure et la découpe laser. J'avais déjà vu un petit peu la partie CNC avec toi. Mais là vraiment j'ai pu m'amuser à faire des tests sur plein de matériaux et c'était vraiment vraiment sympa. Un grand merci à geekbuying.com de m'avoir permis de tester cette machine. Si vous voulez voir ce qu'ils proposent, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a vraiment beaucoup de choix sur leur site. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Partagez, likez, commentez.
T'as pas l'impression de m'appliquer un peu mon boulot? Non. Bah tiens, tu prends la clé de la chaîne, et puis moi je pars en vacances. Ok. Alors, bah bienvenue chez Scenemaker. Non, copain.